Des milliers de Vénézuéliens et une trentaine de chefs d'État et de gouvernement assisteront aujourd'hui aux funérailles du président Chavez. La cérémonie se tiendra à l'Académie militaire de Caracas, où sa dépouille est présentée au public depuis mercredi. À terme, son corps embaumé sera exposé au futur musée de la Révolution bolivarienne. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad est arrivé tôt ce matin dans la capitale vénézuélienne pour rendre un dernier hommage au président anti-impérialiste, principal allié de Téhéran en Amérique latine. La veille, sitôt arrivé, le président cubain Raúl Castro a voulu se recueillir devant la dépouille de Hugo Chavez. On le voit ici réconforter la mère du président défunt. Lui ont emboîté le pas la présidente brésilienne Dilma Rousseff et son prédécesseur Lula, ainsi que le président équatorien Rafael Correa. Les États-Unis et l'Europe n'ont quant à eux envoyé que des délégations de second rang.